Nous disons bonjour et bonsoir avec chaque monde qui a regardé vidéo ça. Jeudi à nous venir avec une nouvelle vidéo pour ce channel là qui c'est cours informatique numéro 12 et nous parler ensemble avec vous dans paramètres et nous peser bouton qui dans touche qui dans clavier a, qui c'est symbole qui représente le symbole menu de démarrage là. Après ça nous parler dans paramètres. Et dans vidéo passée a, nous t'es dans système ensemble avec vous là nous parler dans périphérique. Là, cliquez dans périphérique. Là, il monte ensemble avec vous. Là, nous capable là nous cal dans accueil. Là, nous capable faire une recherche. Et là, nous monter ensemble avec vous dans zone ça là. Tout ça yo même nous capable entrer là-dedans. Premièrement, nous avons appareil Bluetooth et autres. Là, on capable ajouter un appareil Bluetooth. Exemple, on capable ajouter une souris, clavier, un stylet. Et là, on capable ajouter tout appareil Bluetooth là. Et là, on est capable d'ajouter un écran ou une station d'accueil sans fil. Exemple, un moniteur sans fil, télévision ou un PC, on est capable d'utiliser la donne sans fil. Et là, on est capable d'ajouter un autre bagage tout. Et on peut annuler. Là, on est capable de faire téléchargement via des connexions limitées. Là, lui-même, on est capable de faire téléchargement, ça, on est capable d'activer et comme ça, on est capable de désactiver. Là, on active là, lui-même, il y a des bagages où tu as voulu faire téléchargement, il va quitter le fil parce que lui-même, il y a une limite. L'illimité. Et là, tout capable dans l'autre paramètre, dans l'autre bagaille, dans appareil Bluetooth et autres là. Mais même bagaille, ça, là, nous, là, yo tout mettez comme si yo tout mettez link là, nous capable tout cliquer sur lui, même yo même tout, n'a pas yo dans paramètre, yo tout yo dans paramètre. Après ça, si nous allons imprimante et scanner, là, on capable ajouter yon imprimante et scanner, mais là, tout nous capable garder deux premiers imprimantes ça, avec l'autre trois ça, yo même, yo c'est imprimante qui tout dans laptop là. Mais là, nous sommes capables de gagner une non imprimante, ça, même si on imprimante, nous ajouter dans le computer, là, nous sommes capables de paraître là. Et l'un descend en bas là, nous sommes capables de laisser Windows gérer mon imprimante par défaut. On est capable de quitter Windows là, lui-même, lui gérer imprimante 1. Et comme ça, tout capable de désactiver. Après ça, on est capable de faire téléchargement, télécharger via des connexions limitées et même bagaille ensemble avec l'autre là encore. Après ça, nous allons aller dans la souris. Dans la souris là, premièrement, on est capable d'utiliser bouton gauche là ou bien bouton droite là pour principal, pour bouton principal. Et quoi j'en ai ouais dans clavier, on tape le bouton gauche là. Les ou n'importe quoi fait là, on est capable de toucher bouton gauche là et bouton droite là les mêmes pour capable peser, pour capable ouais lisse là. Et là, on ouais bouton gauche là les mêmes, c'est les mêmes qui bouton principal. Après ça, nous ouais vitesse du curseur là. Là, on est capable ouais vitesse là les mêmes les points. Et si on descend vitesse là les mêmes. Nous mettons vitesse là, même li a 1. Ou après, nous avons mouvement de curseur là. Ou après, là, tout petit. Là, nous avons passé maintenant tout espace curseur là. Nous virons le tour là, le mouvement de tout petit. Mais quitte là, nous commençons à avancer. Là, ou après, n'importe niveau, nous mettons là, nous mettons dans 20. Ou après, nous passons, nous virons maintenant dans tout bureau computer. Dans tout espace curseur là. Ou après, le mouvement est bien rapide. Et ça aide ou même qui a fait un travail rapide. Là, on est capable d'augmenter vitesse curseur là. N'importe quoi fait là ou fait le plus rapide ou après les guitants passent les passer dans tout bureau computer là. Après ça vous capable faire tourner la molette de la coursière pour faire défiler. Là vous capable ajouter plusieurs lignes à la fois dans la coursière là comme ça tout cap faire un écran par écran. Et là vous capable indiquer nombre de lignes à faire défiler à chaque fois. Nombre de lignes nous t'a fait vous voulez faire coursière là défiler à chaque fois comme ça tout là vous capable mettre 100%. Et comme ça, tu es capable de mettre dans force ou ta vle pour mettre là. Là, on est capable d'activer ça pour faire défiler la fenêtre inactive lorsque je le mets, lorsque je les pointe avec la souris. On est capable d'activer et désactiver. Après ça, nous allons aller dans le pavé tactique, tactile. Dans le pavé tactile là, là, on est capable d'ajouter sensibilité du pavé, ou capable ajouter sensibilité en haut, ou soit ou capable faire faible sensibilité. Là, tout tombe sensibilité par haut, la plus protéger computer là. Après ça, nous allons aller dans saisie. Là, dans saisie, là, nous ouais orthographe. Là, ou capable faire corriger automatiquement les fautes d'orthographe. La corriger automatiquement dans l'anglais, la corriger automatiquement lorsqu'on fait orthographe, lorsqu'on écrit un mot. Qui ou fait erreur dans moi là tout corriger automatiquement. Là on capable activer et là on capable mettre en sous brillance les mots mal orthographiés. Là
Lorsqu'on écrit un mot, qui est moi lui-même, ou mal écrit, ou bon, erreur ou fait dans moi, qui c'est un accent pas mettez, ou bien qui c'est une lettre ou mal mettez dans moi, la mettez, la souligner moi, de quoi vous le dites, de quoi elle souligner, et pas où t'es souligné, ou après moi ça lui-même, il était mal mettez, et la indique que moi lui mal mettez, là ou capable activer. Après ça, là, dans saisie, ou capable afficher les suggestions du texte en cours de frapper sur les claviers logiciels. Là, lors de mon texte, soit écrit, il est capable de suggestion, moi. Et là, on est capable d'ajouter un espace après le texte suggéré, choisir. Ajouter un espace après le texte suggéré, choisir. Là, l'elfine bon, une suggestion, moi. Là, et pour fin prendre moi, là, il est capable d'ajouter un espace. L'offre prend moi. L'offre cliquer sur moi, couleur prend mon libre là et puis tout mettez dans espace. Là, tout le capable ajouter un point si j'appuie deux fois sur la barre d'espace. Dans espace computer, là, nous faisons un espace et puis sous pèse espace là, deux fois, là, tout ajouter un point. Dans moi, sous moi, les mêmes écrits et couleur là, au fin écrit moi et puis ou arriver pour mettre point ou pas guette en pèse point ou pèse espace là, deux fois, là, tout. Mettez un point pour après mot fin écrit. Après ça, là, on a l'information sur la saisie. Non, là, nous même ça, y a toujours un paramètre là. On a quitté l'enrivé là-dedans et puis pour nous prendre. Là, dans le clavier matériel là, là, on est capable d'afficher suggestion du texte pendant la frappe. Là, on est capable d'activer et correction automatiquement des mots mal orthographiés pendant la frappe. Pendant qu'on a écrit là, on est capable d'afficher suggestion. Là, pendant tout, on est capable. Écrit à tous les capables de corriger automatiquement mot à écrit. Mais ça, là, moi-même, je ne choisis pas activer parce que plusieurs mots à écrit en créole, là, il pas comprendre mot sous l'anglais. Et là, pendant que je écris mot, et là, il cap corriger mot automatiquement. Mais mot le mettre à pas l'autre à écrit et en créole, ou m'écrit, il bien écrit, mais lui-même, il corrige automatiquement. Là, on est capable de désactiver. La suggestion du texte multilingue. Là, il y a une suggestion du texte multilingue. Il y a un mot en multilingue. Après ça, si nous allons dans Stylet et Windows Ink, là, on est capable de prendre qui forme stylet au besoin. Là, on est capable de choisir. Et là, tout capable d'écrire. On est capable de prendre ça. Là, on est capable d'écrire avec un point de doigt tout. Non, écrit manuscrit là. Et là, on est capable d'en savoir plus sur Windows Inc. Là, on est capable de prendre pour demander plus d'informations là-dedans. Dans l'exécution automatique, dans l'exécution automatique là, lui-même, on est capable d'utiliser automatique pour les médias et tous les périphériques. Là, on va regarder une vidéo, plusieurs fois, on va regarder une vidéo sur YouTube ou bien sur n'importe quel bagage là, et puis là, tout fait lecture là automatique. Il tout choisit, il fait lecture là automatique. Et nous sommes capables de téléphone qui connecté dans computer là là nous capable là nous capable mettre l'en mettre téléphone dans là le tout depuis connecté téléphone avec câble là là n'a tout laptop ouvri et afficher les fichiers là capable mettre le pour sauver là ou capable mettre le pour toujours me demander l'en fin connecté puis l'a demandé ou là capable mettre pour pas faire et là capable mettre le pour configurer les paramètres de stockage paramètres. Et là, on est capable de mettre pour chaque téléphone ou mettez ou bien chaque bagaille ou bien yon 4 mémoire tout. Là, ouais, on est capable de mettre pour le faire sur le computer là. Après ça, dans USB. Là, on est capable de mettre pour m'avertir en cas de problème lors de la connexion à des appareils USB. Là, on est capable de mettre pour les connexions avec yon appareil USB. Après ça, nous finis avec partie ça dans périphérique là. Et puis, nous allons tourner dans l'accueil encore. Nous allons parler ensemble avec vous dans le téléphone. Dans le téléphone, nous sommes capables d'associer votre téléphone Android et votre iPhone. Là, nous cliquons sur le téléphone. Là, le téléphone lui-même n'est pas gagné en pile bagage là-dedans. Là, nous sommes capables d'envoyer le téléphone. Là, envoyer des SIM et consulter les photos récentes prises avec votre téléphone directement sur votre PC. Là, lui-même, nous sommes capables d'utiliser téléphone nan pou mete téléphone ou nan computer pou kapab envoyer SIM et ou kapab wè photo ou utiliser ou gen sou téléphone nan pa à travers des téléphones nan ou connecté ensemble avec laptop là. Et là ou kapab gérer tous les appareils associés à votre compte Microsoft ou kapab gérer tout appareil qui associé avec compte là et si ou appareil ou ka mete compte là li même nan téléphone et puis nan laptop
Et si vous mettez dans l'autre téléphone encore, vous êtes capable de voir l'autre téléphone ça lui-même pour capable de gérer. Après ça, là, tout yo boyon, là, vous êtes capable de cliquer sur ça tout pour dissocier ce PC. Après là, tout vous êtes capable de cliquer pour ajouter un autre téléphone encore. Et dans ajouter téléphone dans lui-même, là, la tout montre dans votre téléphone ensemble avec vous. Et là, vous demandez pour installer une application. La demande pour installer puis pour là pour capable utiliser ça lui-même dans téléphone là la demande qui type de téléphone ouais si c'est un Android ou bien iPhone nous prenons Android et puis pour là nous descendons et puis nous pèsons continuer après ça là la demande pour aller sur Google et puis pour faire recherche ça et puis les fini ou après application ça la demande pour installer your phone compagnon après ça la demande pour installer pour capable gagner sur téléphone. Après ça, l'on fin installer le PC. Oui, j'ai terminé d'installer l'assistant de votre téléphone. Après ça, l'on fin prendre ou fin installer. Après ça, l'appmando pour aller prendre pour ouvrir par un code pour ouvrir par un code KR. Après ça, code l'apparaît dans écran téléphone ou dans écran laptop là comme ça. Et puis ou même ou avant quitter code là ou placer téléphone dans écran laptop là et puis l'apprend la connecter ensemble avec. Après ça, nous sorti. Là, nous allons aller ensemble avec vous dans le réseau et internet. L'arrivée dans le réseau et internet là, nous allons aller ensemble avec vous dans l'état. Là, dans l'état là, nous sommes capables d'aller dans ouais ou après wifi qui est connecté et ou après depuis qu'il est ou connecté avec wifi ça ou fait depuis ces 30 derniers jours. Et puis là, mettez depuis qu'il est connecté ensemble avec et là ou après espace wifi à lui-même là n'a propriété a nan propriété a li même ou capable ouais tout bagay sur wifi a ouais li même connecté automatiquement dans la dans la page li activé la connecté automatiquement avec wifi a là ouais wifi a li même son réseau public là on mettait li même pour public après ça ou capable configurer le là ou capable configurer les parfaits et les paramètres de sécurité là la connexion limitée a li même ou quitter le désactiver là pour le pas pour le pas gagner bagaille pour le pas installer pour le limiter après ça là ou capable ouais toute information sur réseau qui est connecté et là ou capable copier information yo sous ta vle connect copier yo après ça là retourner après ça là noter dans état et là ou capable afficher réseau qui disponible yo tout réseau qui disponible dans computer là qui réseau qui disponible et là ou capable connecter ensemble avec yo wifi qui ouvert qui disponible là dans consommation des données ou capable ouais wifi ou connecté ou capable ouais qui application qui prend plus wifi là-dedans qui utilise wifi avec plus ou capable application là ou capable application ou capable descendre là pour plus application qui utilise plus données dans computer là après ça là ou capable prendre modifier les options d'adapter ou capable de modifier là après ça là ou capable prendre centre réseau et page et là ou capable à résoudre problème de réseau si pour vous avez un problème dans réseau wifi ou là ou capable résoudre là dans wifi là connecté dans wifi pour là même j'ai encore là ou capable voir wifi ou connecté là après ça ou capable afficher les réseaux disponibles j'en ai fait là et ou capable prendre priorité du matériel ou gérer les réseaux connus. Ou capable là n'a prend sous ça là ou capable tout réseau ou connaît yo déjà yo tout réseau te connecté ensemble avec yo et ou capable gérer yo et ou capable ajouter un autre réseau qu'il y a là là li même ou capable autoriser pour utiliser un réseau hotspot et même là parle là réseau hotspot yo même yo kon disponible plus dans aéroport hôtel ou bien café là ou capable peser pour autoriser pour capable utiliser un réseau hotspot et là li même ou capable quitter li activer. Après ça, si nous allons ensemble avec nous internet, là internet là lui-même n'est pas connecté. Voilà, bien computer si toutefois pas t'apprend wifi sans fil, là on capable gagner un câble ou connecter ensemble avec lui, un câble internet, ou connecter le dans wifi ou là et puis connecter là-dedans et là après là lui-même l'a connecté. Mais ça nous connecter avec wifi, là ouais, internet là pas connecté. Là on capable prendre accès à distance, là on capable configurer une nouvelle connexion, là lui-même on capable faire connexion ensemble avec internet là même j'en nous sommes là et vous capable configurer un nouveau réseau et là vous capable connecter avec manuellement un réseau wifi sans fil et vous capable faire connexion avec
avec espace de travail, ou capable de faire connexion à distance avec espace travail là, côté web travail. Avec espace l'école ou côté ou l'école côté ou a fait travail dans computer. Et là, on est capable de peser annuler. Et ou même on est capable de peser suivant, ou avant de choisir avec ça, on a besoin de faire accès à distance là, et puis pour y aller pour capable de faire accès. Et pour y aller, nous capable aller dans VPN. VPN, nan, comme nous avons dans le téléphone déjà, qui c'est un réseau privé virtuel. Là, on est capable d'autoriser connexion avec VPN sur réseau limité. Et là, on est capable d'autoriser connexion avec VPN itinérance. Là, on est capable d'ajouter un VPN que vous avez ajouté, un réseau privé que vous avez ajouté, ajouter. Après ça, si nous allons dans le mode avion, là, le mode avion, là, les mêmes après, là, du comme ça, que le mode avion, lui-même, là, permet que pour le capable arrêter toute communication sans fil, telle que Wi-Fi et données cellulaires et Bluetooth. Les pour activer mode avion, lui-même, là, arrêter tout ça. Et là, nous capable ouais, appareil sans fil qui nous connecte sur Wi-Fi, là, ou après, lui-même, l'y activer. Après ça, nous allons dans le point d'accès sans fil mobile, là, ou capable d'activer lui-même pour partager connexion internet ou avec d'autres appareils. Exemple, pendant vous connectez avec connexion internet ça connecté là, si vous voulez partager internet là ensemble avec l'autre appareil, nous capable activer pour nous capable partager wifi là. Et nous capable un non réseau wifi nous c'est ça et puis nous code là lui-même, signal lui-même c'est ça. Là on capable le modifier pour changer nom. Là on capable modifier pour aller changer nom. Là on capable changer nom et là on capable changer mot de passe là et là où enregistrer ça a changé là on peut annuler parce qu'il n'a pas changé rien. Après ça dans proxy là lui-même on capable là détecter automatiquement paramètre là ou là on capable quitter l'activer et après ça ou même on capable utiliser un script d'installation on capable quitter l'activer et là lui-même pour activer ou capable mettre une adresse script installation lui-même pour proxy là on quitter l'activer là on capable mettre adresse là. Après ça, dans la configuration manuelle du proxy, là, on est capable d'activer encore et on est capable de mettre une adresse port et utiliser lui-même, serveur proxy. Après ça, nous sommes dans l'accueil ensemble avec vous. Dans le cours aujourd'hui, lui-même, c'est ça nous avons pour vous. Dans le prochain cours, nous allons porter ensemble avec vous dans la personnalisation avec le reste de l'autre. Et nous espérons que vous aimez la vidéo. Si vous abonnez à la chaîne, abonnez-vous pour capable de voir plus de vidéos. Restez avec la paix, bon Dieu, que bon Dieu bénisse. Ciao, ciao, à la prochaine.